Bonjour à toutes, on se retrouve de retour dans ma bonne vieille chambre, voilà. Parce que, oui, je sais, comme pour précédemment avec... Merde, c'était quoi l'autre solution juste avant Heavy Rain? Mini. Ah, je sais plus. non, mais c'était quoi avant? C'était une très bonne question. Bon, en gros, avec Heavy Rain, je voulais laisser croire que j'allais continuer encore un petit peu. Bah non, c'est faux. Et donc, je vais regarder pour voir. Ah, je vais regarder ce montre. Ouais, c'est un ventilage des collections, voilà. Je vous avais aussi laissé croire. Et je suis désolé. Hein. Trouver des indices dans les expositions du musée, ouais. Donc là, on arrive dans le musée, avec toujours une aussi bonne ambiance. Non, j'adore l'ambiance de ce jeu. Moi, je trouve toujours super efficace. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Hey, you can't be here. The museum's not open yet. And no dogs allowed. Oh. I'm Daphne Blake from Mystery Inc. We're here to help you with your monster troubles. Oh, sorry. I'm Joe Grimm, Chief of Security. Ok, le chef de la sécu. Mr. Grimm, when did these strange occurrences start to happen? About 2 days ago, I'd say. It's those new exhibits, the dinosaurs and the suits of armors and the caveman. Caveman? Go. A caveman, you say? Look, I don't know nothing, all right? Just that strange things are going on here. Ok. Donc là, on a rencontré Joe, le chef de la sécu. Sorry about that no dogs allowed thing earlier. That's okay. J'adore les rires de Scooby-Doo. The museum isn't open yet, so don't break anything. Ouais, t'inquiète. If you behave, I'll give you a bit of my lunch later. All right. Ok, donc voilà, on a rencontré l'un des suspects de ce niveau. Et dans ce monde, il y aura 3 suspects, non pas 2 comme dans les 2 précédents. Il faut profiter parce que comme je vous l'avais laissé entendre, c'est le dernier monde. Donc là, on voit qu'il y a plein d'ampoules, donc c'est plein de trucs qu'on déverrouillera plus tard. Mais d'abord, on va aller voir notre cher Sally là-bas. Qui est évidemment juste devant la cafétéria. Ce qui nous étonne même pas. What? Well, no. Oh mon Dieu. This is like the worst mystery ever. Like, I'm too hungry to even move. J'adore. Me too. Oh, les conversations avec Samy, qu'est-ce que je les adore, hein. Je les adore, les conversations avec Samy. Bon, alors, bah, effectivement, il n'y a rien. Cafétéria, à part quelques blobs, et là un fusible qui manque. Bon, l'étage on le visitera une autre fois, quand en temps voulu. Pour l'instant, mais pour l'instant on en a pas besoin. Donc ça c'est la fameuse machine. Ouais, costume de Robin des Bois. Oui, costume de Robin des Bois, oui, tout à fait. Donc là-bas ce sera un futur niveau, ça on le sent, mais il est pas encore débloqué. Voilà, on rencontre la conservatrice du musée. De Mary Vivante, at your service. I'm Velma Dinkley, and this is Scooby-Doo. Charmed. We hear you've been having troubles with some of your exhibits. Interactive experiences, dear. Some of the robotic characters have gone out of control and scared away most of the workers. Interesting. On ramasse quelques Scooby-Scooby et on va rencontrer le dernier suspect qui est le scientifique, le paléontologue. Good evening. I'm Fred Jones from Mystery Inc. I'm Professor Stoker. Mystery Inc. Aren't you the monster hunting kids? This is about the caveman, isn't it? Can you tell me more about that caveman?
There is no such thing. It is a scientific impossibility. It is a hoax. That's what it is. I see. Ok, donc le mec là, il pense que c'est un canular. Caveman, ridiculous. This isn't a museum, it's a circus. And what are you looking at? Non, c'est bon. You? J'y vais. This is one high-tech interactive museum. If Jed is here, we'll find it. Ouais, on le retrouvera, ton Jed. Bon, enfin, ça fait 5 vidéos que je te dis ça, mais bon. First, however, we have to look for clues. Même plus que 5 vidéos. Bon, on va parler à Daphné, j'avais oublié de lui parler. Ouais, c'est sûr, parce que vu comme c'est parti. What? Oh, un putain de parc à dinosaures. For our grand opening have already been sent. This is completely unacceptable. Are you sure you're not with the press? Non, on n'est pas journaliste. Hein. Scooby, try to find some clues while we learn what we can from the remaining museum employees. Okay. Have you found any clues yet, Scooby? Oh. There's got to be a clue somewhere. Donc, et là-bas, nous avons le truc à dinosaures. Voilà. Donc là, on peut voir donc déjà deux niveaux qu'on visitera. Et là, on a la photo de l'homme de Néandertal qui est aussi tiré dans un épisode de Scooby-Doo. Ouais. Et donc, on va montrer la 10 à Vera. Great, Scooby, you found a clue. This photograph of the caveman seems to have been taken in the dinosaur exhibit. Évidemment, il y a beaucoup d'indices, hein. Ok, bah on va y aller dans l'exposition de dinosaures, hein, vu que tu veux. Hein. Bon, bah on y va. En même temps, ça m'intéresse quand même, hein, moi qui aime bien les dinosaures. Mais je vous le dis, moi je les aime bien. Ça me fascine, les dinosaures. Et dans ce niveau, il y a 4 indices, 15 ingrédients et un truc. Et je le fais encore sans en avoir préparé, donc c'est marrant. En passant, ça marche. Hein. Allez, on va les trouver. De toute façon, moi qui ai du genre à chercher, hein, vous me connaissez, hein. Oui, moi je suis du genre à chercher à aller dans les coins qu'il faut. Qu'ils n'ont pas l'air de. Il faut pas aller pour aller trouver des trucs cachés. Donc là, on voit qu'il y a Sammy qui nous attend au loin. La question est pourquoi il a quitté la cafétéria, ça c'est une bonne question. Et là, on peut voir qu'il y a aussi des ptérodactyles, il y a aussi un indice là. Et donc là, on sait déjà quel ennemi on va rencontrer dans ce niveau, c'est déjà bien. Là, on voit vraiment tout le chemin. Parcours l'exposition de dinosaures à la recherche d'indices. Ok, Michel. Ok. Non, on peut pas péter ça. Ça, par contre, on peut péter. Donc là, on peut voir un stégosaure, là. Enfin, c'est pas un vrai, mais bon, c'est marrant. Ouais, dès qu'on passe devant, vous aurez remarqué, ça y met une lumière. Alors, la musique de ce niveau, je l'aime bien. Enfin, comme d'hab, hein, vous allez me dire. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Oh, des petits volcans, c'est tout. Donc là, des petites araignées. Donc là, les petits pièges de ce niveau, ce sont les plantes carnivores. Voilà. Ouais, comme d'hab, il y aura des pièges. Ben là, c'est les plantes carnivores. Et là, vous avez remarqué, il y avait 3 rats. Hein. D'un coup. Donc là, on va laisser l'araignée se poser pour pouvoir... Bon, ben, ça n'a pas marché comme je voulais, mais bon. Ouf, au moins, elle n'a pas perdu les blobs. Mais c'est bon, l'araignée, je sais que tu veux me... Enfin, non, la plante, je sais que tu veux me buter, mais alors là, mais arrête. Il est beau le décor, donc là-bas il y a un tyrannosaure, tout à fait normal ma foi. Bon, alors on y va. Pour l'instant on n'a encore rien trouvé. En même temps, je vous dis ça, je pense que vous n'êtes pas aveugle. Hein.
là, on rencontre les pteranodons et il y a aussi quelques araignées qui veulent nous dire bonjour, visiblement. Et donc là, vous voyez, il y a des espèces de trucs à lianes, là, dont sort un nombre limité de pteranodons. Voilà, c'est les petits trucs de respawn, hein, comme vous connaissez. Bien. Et bien justement, à chaque fois, j'essaierai de buter le maximum de pteranodons. Enfin, je crois que c'est limité. Ouais, normalement, c'est limité. Enfin, je dis ça, au bout de 4 pteranodons, je partirai, évidemment. Hein. Voilà, c'est ce que j'avais raison, c'était limité. Merci pour ces quelques trucs. Là, on a pu voir un ingrédient, si vous avez fait attention. Donc là, il y a une tortue qui m'a donné un petit truc pour régénérer mon collier quand même un peu. Et là, je récupère aussi quelques scoubiscuits. Et donc là, on pourra guetter en hauteur pour voir où est-ce que se trouvent les ptérodactyles. Généralement, on peut les voir arriver comme ça. On peut les voir planer en hauteur, et donc généralement, là où plane un ptérodactyle, on verra forcément sortir pour essayer de nous buter. Enfin, atterrir. Je vous le dis. Hein. Donc là, faut faire gaffe, dans ce genre d'œil, il peut y avoir des araignées, comme ça, vous avez remarqué tendance à sortir de trucs comme ça. Et ouais, calme-toi. Donc là, on récupère la pomme d'Adam, qui, comme dans mon jeu, te bute. Non, je déconne. Ouais, je me rappelle dans mon jeu encore. Heureusement que je me rappelle de mon jeu. Hein. Faut rendre compte si je me rappelle même plus de mon jeu. Enfin, vous vous rendez compte, j'arrête pas de vous tutoyer, je sais pas ce que j'ai. C'est l'habitude d'avoir quelqu'un à côté de moi. Ah là, par contre là, on va arriver à un truc que j'aime pas, donc là on va des pteranodons, donc forcément ils vont venir nous dire bonjour. Enfin, un truc que j'aime pas, c'est cette phase là, parce que le saut est assez chiant à faire. Et surtout que, voilà, les trucs de glace aussi sont assez chiants à manœuvrer, donc t'as une tendance à tomber facilement. Donc là on va attendre qu'elle se pose, et boum, 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 boum. Voilà, donc là on fait des troncs parce qu'on s'appelle Georges Tronc. Et là on récupère des chips. Chipster. Allez viens. Ouais, je voulais pas qu'il tombe. Hein. C'est pour ça que j'ai attendu qu'il arrête de se protéger. Alors, est-ce que j'augmenterai le son quand il y aura les dialogues? Comme je faisais à l'époque. À 30. Non, je pense que c'est bon, vous devez bien l'entendre. Si vous entendez pas, vous me le dites. Alors, moi, j'essaye de faire tout pour que vous ayez la meilleure écoute, mais bon, hein. Point, point, hein. Vous me dites vraiment si ça sert à rien, ce que vous faites. Boum. Alors toi, tu te calmes, sinon je te bute. C'est bon, déjà fini? Ok. Bon bah voilà. Ouais, ouais, on a déjà 200 machins. Hein. C'est impressionnant, oui je sais. Voilà. Donc là, on a déjà 2 ingrédients et 0 indice. Ouais, normalement 0 indice. Bah bon, je pense que les chiffres changeront. Pouam, pouam. Boum. Donc là, on arrive encore à un nouveau truc, là, avec un diplodocus au fond. Allez, venez, vieni, vieni. Mais qu'est-ce que foutent des ptérodactyles dans une grotte protégée par des lianes? Wow. Allez, vas-y, encore d'autres. Encore? Ouais, vas-y. Allez, Jean-Mimiche.
Viens me dire bonjour. Ah, c'est bon, ils sont morts. Ah, les rats. Ah, là, vous commencez à me manquer, vous. Hein. Vraiment, je crois que dans celui-là, dans ce monde, on verra beaucoup moins de rats hein, que avant. Parce qu'avant, on avait une tendance à buter quand même pas mal de rats. Hein. Ouais, exterminateur de rats. C'est rats et compagnie, c'est pas mystère. Ok, c'était naze. Donc là, on peut passer par deux endroits, mais je vais vous montrer les deux moyens de passer. Donc on peut passer comme ça. La méthode que je n'aime pas, mais bon. Ouais. Bon, attention du premier coup. Ah, c'est kill badass. Mais je crois que c'est la seule méthode pour pouvoir avoir cet indice. Ah non, 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 c'est pas la seule. Donc en fait, non, il y a vraiment de méthodes alternatives. Mais bon, comme je vous ai dit, celle-là, je la trouve chiante, donc c'est pour ça que je le dis. Donc là, nous allons péter quelques trucs. Ok, il y a une tête de tricératops à l'intérieur. Regardez, il sourit. Et là, nous avons notre premier indice. Et celui-là, tu peux pas le rater. Hein. Donc là, faut faire gaffe, les trucs s'effondrent. Voilà, là, je vais récupérer les petits trucs. Non, là, cette fois-ci, je me jette pas dans le vide pour aller récupérer le truc. Hein. Cette époque est révolue, hein, comme vous le savez tant, hein. Ok. Allez, vite. Oui, les trucs se reconstituent, c'est tout à fait normal, ma foi, hein. Je pense que c'est pas Scooby-Doo qu'on incarne, mais Merlin l'Enchanteur, là. Hein. Allez, l'indice. Donc là, on a une espèce une chaîne. Normal. On va premier indice. Et pas le dernier évidemment. Il y en a quatre. Et là, encore des pteranodons avec une zone à spawn de pteranodons. Allez, crève. Bon, allez, vas-y. Ah, un vélociraptor. Les ptérodactyles, c'était aussi des ennemis qu'on avait rencontrés dans la série. Ça, je vous le dis. Non, non, c'est pas des nouveaux non plus, eux. Donc, et là, le deuxième indice, avec des rats en plus. Ouais, par contre, vous remarquez qu'à chaque fois, je bute tous les ennemis des niveaux, hein, vous avez remarqué. Et donc là, on récupère une clé. La clé du coffre-fort de Passepartout. Et qu'est-ce qu'il y a dans le coffre-fort de Passepartout? D'autres clés, ouais. La clé super utile. Et donc là, on va monter et essayer de récupérer le maximum de choses, quand même. Donc là, il y a le retour de ces trucs... Voilà, qui crachent à la figure. En fait, ça servait à rien que je fasse ça, hein, mais bon. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien... Ah! Donc cette fois-ci, je fais pas le con, je saute pas. Allez, c'est... Alors, donc faut aller jusqu'au sommet pour aller dire bonjour à notre ami Samy, hein. Alors là, je me suis rattrapé, mais alors, une fois, ça c'était beau. Bon voilà, on va continuer. Donc là,
récapitulatif, on a deux indices, deux trucs, on a la moitié de chaque. Et donc là, Sammy vient de se faire emporter par un ptérodactyle, et donc va falloir sauver le pilon. Ah oui, Sammy, on s'en fout, hein. Sauvons le pilon. La morale du jeu. Essayer de rattraper Sammy et le ptérodactyle, ouais. Donc là, on utilise sans bloc au costume de chauve-souris. Voilà, là, notre bon vieux costume chauve-souris. Pourquoi il y a des pots de peinture un peu partout, allez savoir. Ah là là, ce niveau. Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Vous l'avez des araignées. Ah, par contre, j'adore l'idée quand même de Sammy d'utiliser les volcans pour faire un barbecue. Il n'y a que Sammy qui peut avoir une putain d'idée comme ça. En fait, si t'arrives à voler plus longtemps avec ce costume, donc en fait, il est quand même utile, il n'est pas tout à fait inutile. Hein. Et voilà, on a toute notre vie, mais je crois qu'on va la reperdre d'un coup. Voilà, qu'est-ce que je disais? J'arrête de dire les choses. Hein. Ça se produit toujours comme je le prévois. Ouais, pas grave. Ah, vas-y, on va y arriver, on va y arriver. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on y arrive. Sauf que cette fois-ci, on va aller là-bas pour récupérer à nouveau notre santé. Et là, là vous pouvez voir qu'il y a un indice. Hein. Ouais, là, on a évité le jeu, mais d'une force. Hein. Donc, il faut faire gaffe encore à ces trucs. Et là, l'indice. On a une planète. Oui, on a une planète, putain. On a Saturne, là. Pourquoi on a eu Saturne? Et donc là, il y a plein de bébés rats qui vont aller dire bonjour à leur parents. Et là, on récupère la saucisse. De Jean-Henri Saucisse. Wow, arrêtez de me piffer dessus. Hé, hey, qui c'est qui veut venir? Plus personne. Alors là, pour péter les trous, c'est un peu plus dur vu qu'on peut pas faire les attaques qui nous permettaient de les détruire plus facilement. Tu l'as encore, moi? Ah, voilà. Je commence à avoir des doutes. Bon, voilà. Maintenant, plus qu'un de chaque. Hein. Un indice et un ingrédient. Ça va être drôle. Ouais, ça va être drôle. Ah, ah. Ouais, vas-y, on va descendre en piqué, là. Allez, vas-y. C'est un foutage de gueule. En fait, faut leur sauter dessus, hein. Ouais, mieux vaut que je leur saute dessus à la Mario, hein. Donc là, on a un os. Oui, je sais, on a putain, on a pas mal d'indices là. Et il y a beaucoup d'indices qui sont sur le chemin. Pourtant, il y en a beaucoup qui sont secondaires, encore une fois. Hein. On avait déjà eu ça. Et là, voilà, 190 pour avoir l'ingrédient, le dernier. Et voilà, on a eu tout. Donc voilà, on a tous les trucs de ce niveau. Oh, Sammy se fait enlever. Si on allait l'aider. Ah non! Non, non! J'allais dire une connerie. Il nous manque le piège. Le piège, il est là. Wow! Oh putain, mieux tu te fous de ma gueule. Et donc là, on a eu le balai. Oh putain, il se fout de moi là. Oh! Avec nos viandes. Et donc là, on va aller poursuivre Sammy maintenant qu'on l'a retrouvé. Parce que c'est notre seul ami.
Ouais. Évite les ptérodactyles cracheurs de feu. Et donc là, on rencontre un nouveau type de ptérodactyle, les oranges. Ils crachent du feu, donc. Punaise. Donc là, on en a trois aux fesses, vous aurez remarqué. Ah, allez, un en moins. Oh putain, ils sont chiants à esquiver quand même, hein, leurs crachats. Allez, vas-y. Poum, deux en moins. Au milieu. Allez, les trois en moins. Allez. Voilà. Et hop, on a fini le niveau. Et on a tout eu. Là, je re-augmente le son pour les cinématiques, si je le fais quand même. Hein. Dans mon dos. Maybe you guys can check out the medieval room while I investigate the undersea exhibit with Daphne. Hey, Scoob, I'll bet you they have some kind of barbecue in there. Oh boy, a barbecue! There's some greasy black fluid on this dinosaur bone. Ok, donc un truc noir sur l'os de dinosaure. This is a replica of the planet Saturn, named after the Roman god of time. Perhaps this has a hidden symbolic meaning. Si tu le dis. Allez, on fait apparaître Saturne. This metal chain may have been used by the caveman to scare away workers. Allez, on fait descendre ça aussi. Maybe we'll find information about who the caveman is in there. Si tu le dis. Et hop. Wow, professor, this museum must have changed a lot. Ouais. Not for the better, I'm afraid. This isn't science, it's... It's entertainment. I can't stand it. Do you know what that Nefante woman wanted to call this venerable institution? An amuseum. A muse and museum. A museum. Can you imagine? That's, catchy. It's idiotic. Ouais, bon. Donc là, c'est dommage, je voulais pas que vous voyiez ce dialogue, cheese, mais bon. Please. Oh putain, mais eh mais arrête. Donc là, on a récupéré le fromage, en fait, qui était là-dedans. Bon, bah, justement, c'est là qu'on va finir la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ouais, comme ça, je vous garde une petite surprise. Je voulais vous montrer le piège, voilà, mais bon... Vu que là, je vous ai déjà montré le fromage et tout, donc tant que je vous le garde pour la prochaine vidéo, parce que là, je vous ai déjà montré plein de trucs. Allez, bye bye.